lorsque l'on est mousquetaire. Un pour tous et tous pour un, on est comme des frères. Un pour tous et tous pour un, il faudra s'y faire. Les autres ne sont pas loin quand on en voit un. Un pour tous et tous pour un, lorsque l'on est mousquetaire. Un pour tous et tous pour un, on est comme des frères. L'histoire commence dans une petite ville du Béarn, au cœur de la Gascogne. En l'an de grâce 1625. De planter des choux. Tu as triché, c'est pas du jeu. Il a pas triché, à la guerre comme à la guerre. Bravo, jeune homme, tu manies l'épée de fort plaisante façon. Ton attaque était parfaite. Je ne pensais pas trouver un bretteur de ton talent dans une petite ville de campagne. Je te salue. Cette rencontre est un grand honneur pour moi. Merci, monsieur. Je peux savoir d'où vous venez? De Paris. Oh, de Paris. Vous habitez toute l'année à Paris? Bien sûr, je suis un des mousquetaires de Sa Majesté. Mais alors vous servez sous les ordres de monsieur de Tréville? Pourquoi? Tu le connais? C'est donc ça. Bon, je te laisse. J'ai une affaire urgente à régler. Et où allez-vous? Je rends visite au gentilhomme le plus fin et le plus noble de tout le Béarn. Yep. Oh, il rend sûrement visite à mon père. Et attendez, il rend sûrement visite au père de François. Il va entrer dans ma maison, vous allez voir. Oh! Il a même pas regardé, il doit être perdu. C'est un peu normal, il connaît pas le village. Mais oui, c'est sûrement ça. Venez avec moi. Hé, hey, François, tu t'avoues vaincu? Jamais de la vie. On recommencera ce duel tout à l'heure et on verra bien qui est le plus fort du village. Un chevalier qui vient de Paris. Et en plus, il est mousquetaire du roi. Oh. Le mousquetaire a l'air complètement perdu. Oh, un précepteur. Oui, c'est moi ton précepteur. Tu as l'air bien étonné. Qu'est-ce qui te prend de revenir aussi tard? Et comment as-tu fait ton compte pour avoir cette bosse énorme? Ce sont les aléas du métier d'apprenti chevalier. Le messager du roi est déjà arrivé. Oh, je t'en prie, n'essaye pas de changer de sujet, s'il te plaît. Ton père n'attendait aucun visiteur aujourd'hui, je le savais. Mais je comprends pas, le mousquetaire n'est pas venu? Le mousquetaire?
Un des mousquetaires qui sert sous les ordres de monsieur de Tréville? Mais bien sûr! Ton père est le maire de ce village, il n'est pas gouverneur de la région. Je ne vois pas pourquoi un mousquetaire viendrait de Paris pour lui rendre visite. Mais il a dit qu'il venait voir le gentilhomme le plus noble et le plus fin du village. C'est bien mon père, non? Mais oui, tout le village le sait. D'Artagnan, si tu veux, on reprend notre duel. Non, pas maintenant, je suis pressé. Hé, D'Artagnan qui refuse un duel, il est malade. Je comprends tout. Tu t'es fait cet œuf d'autruche en te battant avec ce vaurien de D'Artagnan. Oh, monsieur... Ta mère t'a pourtant interdit de jouer avec lui. Si tu continues à lui désobéir, je vais être obligé de la prévenir. Maintenant, dis au revoir à tes amis, il faut que tu étudies. Et il faut soigner cette bosse qui te défigure. Allez, c'est fini, on arrête. Il faut que je vous parle, attendez-moi à l'endroit habituel. J'arrive aussi vite que possible. Je vous en prie, asseyez-vous. Je vous remercie, monsieur, mais monsieur de Tréville m'a bien précisé que je devais me tenir devant vous comme si j'étais en sa présence. Mais il veut que vous respectiez le protocole qui était en vigueur quand j'étais encore en activité. Effectivement, monsieur. Qu'est-ce que mon père peut bien faire avec un personnage aussi important? C'est tout de même un mousquetaire du roi. Je ne comprends pas ce qu'ils se disent. Vous direz à monsieur de Tréville que j'ai parfaitement compris la teneur de son message et que la réponse lui sera délivrée en main propre par l'intéressé. Bien, monsieur. Je suis persuadé que monsieur de Tréville sera heureux de l'apprendre. Alors là, vraiment, je n'y comprends plus rien du tout. Mon père parle de monsieur de Tréville comme s'il le connaissait depuis très longtemps. Ah, mais je te connais, toi. Oui, je suis d'Artagnan. Mais oui, bien sûr, je comprends. Tu es aussi au service de monsieur d'Artagnan et il t'a appris à manier l'épée. Tu as bien de la chance d'être au service d'un gentilhomme comme lui. Oui, je sais. Allez, il faut que je reprenne la route pour Paris. À bientôt, peut-être. Je ne suis pas un domestique au service du chef de la maison, je suis d'Artagnan. Qu'est-ce que tu dis? Je disais bon voyage. Au revoir. Paris, Paris, mais je donnerai mon royaume pour aller à Paris. D'Artagnan, viens avec moi, je vais te montrer comment un vrai chevalier doit manier l'épée. Avec plaisir, père. Premièrement, le salut, puis en garde. Et j'attaque. Il faut donc commencer par apprendre à te défendre. Oui, père. Il ne faut pas agiter l'épée comme ça sans trop réfléchir. Tu dois utiliser tes 5 sens, penser à ce que tu fais et te concentrer sur les moindres gestes que fait ton adversaire. Oh! Madame, la femme de monsieur le maire vient d'arriver. Père, je crois que tu as de la visite. Et si on a besoin de moi, on viendra me chercher, ne t'inquiète pas. Ouais. Allez, viens, viens. Bonjour, madame. En voilà une surprise bien agréable. Je peux savoir ce que me vaut cet honneur? À vrai dire, je suis venue vous parler de votre fils. Pourquoi ça? Est-ce qu'il aurait encore fait quelques bêtises? Absolument. Je suis désolée. Cette fois, c'en est trop. C'est pour cette raison que je suis venue ici. Il s'est battu avec mon fils qui a une énorme bosse sur la tête. Oh non. Oh, je suis vraiment désolée, je vous assure. Depuis le jour où mon fils s'est lié d'amitié avec D'Artagnan, il rentre tous les soirs couvert de plaies ou de bosse. Je suis désolée. J'en parlerai à mon mari dès ce soir. C'est promis. La femme du maire est passée me voir cet après-midi. Elle était très en colère. Je sais.
Je l'ai entendu crier. Je suis sûr que tout le Béarn l'aura entendu comme moi. Tous les enfants de la région vont faire des cauchemars cette nuit. D'Artagnan a blessé François et je regrette, mais je ne trouve pas ça drôle. Il faut absolument que tu aies une conversation sérieuse avec lui. Et tout ça parce que son père lui apprend à jouer avec une épée depuis que le petit a su faire trois pas, souviens-toi. Il devrait avoir honte d'apprendre à un enfant à tuer son prochain. Allons, tu te laisses emporter par la colère. Un chevalier n'utilise pas son épée pour tuer, non, il l'utilise pour défendre la mère patrie, pour se battre pour des causes nobles. Elle ne doit sortir de son fourreau que si l'honneur est en jeu. Oui, mais l'ennui, c'est que notre fils se bat à longueur de journée. Je ne plaisante pas, je suis inquiète pour sa santé. Mais je ne vois vraiment pas pourquoi. Une bosse à la tête, ce n'est pas dramatique. Il est inutile de bouleverser le village pour un bobo de ce genre. Et si je peux te donner un conseil, ne te mêle pas de leurs disputes, ils sont assez grands. On a sonné. C'est un message de François. D'Artagnan, notre combat n'est pas terminé. Il faut que je te fasse payer tout ce que tu as osé faire. Je t'attends à l'endroit habituel, à midi. Viens si tu es un homme. François de Dorgé. Cet idiot n'a pas encore compris la leçon. Attention, il faut que le nœud soit bien serré surtout, hein. Eh oui, t'inquiète pas. Comment ça se présente? Ça se présente bien. Bon, d'accord, ça va comme ça. Allez, aidez-moi. Apportez d'autres branches. Il faut complètement bloquer le chemin. D'Artagnan est obligé de passer par ici. Il ne se doute sûrement pas du piège qu'on lui a tendu. Et maintenant, on se cache. Allez, rapidement. On va voir s'il est capable de me battre cette fois. Il ne devrait plus tarder maintenant. Je savais qu'il mijotait un mauvais coup. Je le connais bien, mais je lui réserve un chien de ma chienne. J'aurais juré qu'il y avait une armure ici. Regarde ça! Et que se passe-t-il? J'ai trouvé ce message dans la chambre de D'Artagnan. Tu vois? C'est un défi que François lui a lancé. Il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter. Il faut bien qu'il s'amuse. Je ne comprends pas comment tu peux rester aussi calme. C'est un défi, mais ça peut très mal se terminer. Je t'en supplie, va les arrêter immédiatement. Ça risque de mal finir. Vous ne le voyez toujours pas? C'est bizarre, D'Artagnan n'a jamais refusé une bataille. Hein? Tu viens te battre en armure? Ah, tu as peur? C'est bizarre, j'aurais plutôt cru que c'était toi qui avais peur. L'herbe est douce par ici. Avec cette armure, il ne sent même pas les épines. Qu'est-ce qui se passe? Tu as peur? C'est toi qui as peur, oui. Enlève cette armure et montre ton museau si tu l'oses. Bats-toi en chien! Oh, tu peux aboyer autant que tu peux. La caravane passe. Pourquoi tu as fait appel à tous ces petits requins? Oui, eh bien, tant pis pour toi, tu l'auras voulu. Assommez-le! Vous êtes seulement sept, je vais vous balayer en un tour de patte. Oh, tu peux faire le fier, mais c'est nous qui allons te museler. Tu vas apprendre aujourd'hui qui est le véritable maître du Béarn. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous ne voulez pas ma peau? À l'attaque! Faut l'attaquer tous en même temps! Laissez-le-moi! Sors de là, D'Artagnan, et rends-toi! Tu as perdu! Oh ben, il n'y a personne. À qui parles-tu comme ça? Tu divagues? Ah, toujours aussi froussard. Descends de là tout de suite. C'est vous qui êtes des froussards, oui? Allez, hop. Alors, qu'est-ce que vous attendez, vous autres? Attaquez-le. Je vous préviens, je n'aurai pitié de personne parce que vous avez tous agi en traître et ça, vous allez me le payer. Vous n'allez pas partir sans vous battre? Moi, je regrette, mais je rentre chez moi. Mais...
qui te prend, François? Tu n'as plus envie de te battre? Je ne m'en fie pas, je change de tactique. Tu vas vite comprendre, d'ailleurs. Ce n'est pas la peine de perdre ton souffle à me dire que tu te rends. Garde-le donc pour détaler. Et maintenant, je suppose que vous savez tous qui est le véritable maître du Béarn. Oui. Dorénavant, c'est moi qui serai votre chef. Oh, les imbéciles. C'est toi qui es un imbécile. Bonjour, papa. J'ai l'impression que je me suis montré un peu trop naïf. Ta seule ambition, c'est d'être le chef de cette bande de voyous. Jette ce bout de bois et prends cette épée. Comment ça alors? Elle pèse son poids. Elle n'est peut-être pas pointue, mais elle est très différente de ton épée en bois. Si tu rates ta cible, si tu es maladroit, tu peux te blesser ou même te tuer. Hein? Ce n'est pas un jouet. C'est une arme dangereuse. Je veux t'apprendre à la manier. En garde. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Être plus humble, D'Artagnan. Oui, père. Allons, debout. Je suis complètement épuisé. C'est étonnant. C'est la première fois qu'il prend une épée et j'ai eu du mal à le vaincre. Je sais que je peux te faire confiance, mon fils. Viens, on rentre. Il pourrait pleuvoir. Comme tu voudras, père. Tu veux l'envoyer à Paris? Il n'a aucun avenir s'il reste dans notre petite ville. Monsieur de Tréville accepte de le prendre sous sa protection. Je sais que mon fils peut être brillant. Il ne doit pas rester ici. Il ne ferait que moisir, alors que s'il se rend à Paris, à la cour, il aura la possibilité de devenir un mousquetaire du roi. Quand D'Artagnan sera parti, je serai si seule. Je sais, ma chérie, la maison sera bien vide sans lui. Mais qu'est-ce qui se passe? On n'est pas dimanche. Pourquoi tu me mets ça? Oh, à t'entendre, tu ne portes que des haillons. Mets ça. C'est formidable, des habits tout neufs. Ils te vont très bien. Oh, oui. Cette épée m'a été utile dans bien des batailles quand je servais sous le roi Henri IV. Tu ne dois l'utiliser que pour défendre Sa Majesté le roi, l'honneur de la France ou ta vie. Évite les duels, mais tu ne dois jamais te dérober devant un ennemi. Jamais. Père, mère, vous voulez bien m'expliquer pourquoi vous me dites tout ça? Parce que tu vas partir pour Paris. Tu vas à la cour du roi et tu te mettras au service de mon ami monsieur de Tréville. Qui? Moi? À Paris? Mais c'est vrai, j'y vais? Oui. Oh non, c'est pas possible. Qui aurait dit qu'un jour j'irai à Paris? Mais qu'est-ce qu'il y a? Ça ne te fait pas plaisir? Mais si, bien sûr, mais si, mais je m'y attendais si peu. Mon fils, un grand destin t'attend. J'ai confiance en toi. Maman. Allons, ne pleure pas. C'est pour le bonheur de ton fils. Excuse-moi. Un cheval t'attend devant la porte. Formidable. Tu as pensé à tout. Merci. C'est ça, mon cheval? Absolument. Il est possible que ce ne soit pas un pur sang, mais il t'aidera quand il le faudra. Merci. Père, mère, je vous aime et je vous aimerai toujours.
Nous aussi, nous t'aimerons toujours, mon garçon. Tiens, prends ce message et remets-le en main propre à son destinataire. À monsieur de Tréville, de la part de son vieil ami. J'ai en effet la chance d'être son ami. Et tu lui feras donc mes amitiés. Compte sur moi, j'y penserai. D'Artagnan ? Hein ? Tiens, emporte ceci avec toi. Je te le réservais, tu pourras en avoir besoin à Paris. Et voilà un onguent que m'a donné une zigane un jour. Cela calme les douleurs. Cela dit, j'espère que tu n'auras jamais à l'utiliser. Que le Seigneur te protège. Merci, je ne vous oublierai jamais. Oh, mon pauvre fille. Je serai digne de vous. Oh, oui. Qu'est-ce que tu veux? La leçon ne t'a pas suffi? On m'a dit que tu partais pour Paris. Mais c'est vrai. Qu'est-ce qui se passe? Tu veux qu'on se batte une dernière fois avant mon départ? Non, je préfère attendre ton retour. Tu ne vas quand même pas me dire que tu es venu me souhaiter bonne route. On est tous venus te dire adieu. C'est François qui en a eu l'idée. Ah, mais tu ne peux pas te taire, toi. On t'a rien demandé. Ne crois pas un mot de ce qu'il raconte. Je ne suis pas venu te souhaiter bonne chance, mais tout simplement dire bon débarras. Toujours aussi aimable, quoi. Pour ne rien te cacher, je ne serais pas mécontent de ne plus voir ton sale museau avant longtemps. Sur ces bonnes paroles, je vous salue bien. D'Artagnan, tu es notre ami, reviens vite nous voir. Et bonne chance. Merci, à bientôt. Merci. Au revoir et bonne chance. Et c'est ainsi que D'Artagnan se lança sur les routes de France sans se douter qu'il allait entrer dans l'histoire. Avec ses mousquetaires, il faudrait être...